أفغاني. يراهن المدرب الجزائري جمال بلماضي على مباراة الأربعاء ضد أسود الأطلس لكي تكون مرآة عاكسة لجاهزية العنابي قبل مواجهة تحديات هامة تنتظر كرة القدم القطرية، وعلى رأسها كأس الخليج بالرياض ودورة كأس أمم آسيا التي تحتضنها أستراليا شهر يناير من السنة المقبلة. On est dans une phase de préparation, donc on a encore le temps. On a encore à peu près 2-3 mois avant cette Coupe du Golfe. On est dans une nouvelle aventure, en restructuration, un petit peu comme l'équipe du Maroc d'ailleurs, avec un nouveau staff technique, des nouveaux joueurs, c'est un petit peu le cas pour nous aussi. Donc on est à peu près au même stade de préparation. On prépare la Coupe d'Afrique qui va être très importante ici. Nous, on prépare la Coupe du Golfe au mois de novembre et la coupe d'Asie au mois de janvier. رفاق حارس المرمى المتألق قاسم برهان يعتبرون مواجهة المغرب فرصة لشد أزر المنتخب، علما أنها تأتي بعد اختبار ودي هام أمام مالاغا الإسباني، تعقبها مباريات أخرى لا تقل أهمية أمام البيرو، أوزباكستان، أستراليا، ثم كوريا الجنوبية قبل موعد السفر إلى الرياض. Oui, on est dans le continent asiatique, mais quand on joue contre l'Arabie Saoudite, contre les Émirats Arabes Unis, contre le Bahreïn, le Yémen aussi. C'est un peu les équipes qui vont être dans notre groupe, que ce soit en Coupe du Golfe ou en Coupe d'Asie. C'est quand même un football qui se rapproche un petit peu du football nord-africain. On est venu chercher ce côté-là et aussi le côté atmosphère, une atmosphère de voilà, un stade j'espère plein, ou en tous les cas avec une grosse influence. C'est ce qu'on recherche aussi. كرة القدم بقطر قطعت خطوة كبيرة من خلال الاستثمار على مستوى القاعدة، ومشروع أكاديمية أسباير كان نموذج رائد يدفع جماهير الكرة لتطل منذ اليوم على كأس العالم 2022 بكثير من التفاؤل. نبقى مع المنتخبات المغربية هذه المرة مع المنتخب